pour toi, Evelyne. C'est le jour de la résurrection du Christ. C'est la résurrection du Christ ? La résurrection de Jésus. C'est quand il est ressuscité. Mort, résurrection et pardon de nos péchés. Pâques, c'est plus église ou chocolat ? Est-ce que ça sera diffusé devant le pasteur ou pas ? Pour moi, ça sera plutôt l'église. Église et chocolat, on va mettre église avant tout. Les deux. Ah, chocolat, moi je suis diabétique. Spontané ? Église. Non, c'est plus église quand même. La fête à l'église, c'est bien. La chasse au trésor au chocolat à l'église, ça serait cool. Ça serait vraiment le top, ça. Mais sinon, en vrai, chocolat. Salut tout le monde. Salut les tribus. Bon, t'as vu, Marine, il s'en est dit des choses là sur Pâques, hein. C'est intéressant. Hein. C'est super intéressant. Bon, ouais. Du coup, ils nous ont un peu pris nos idées pour la capsule, parce voilà. Que... Enfin, les chocolats, éventuellement de la poule... Le printemps. Le soleil, le renouveau... Ah, c'est vrai que Pâques, c'est le printemps et le renouveau. Ça, c'est pas mal, ouais. Ouais, mais en fait... Bah ouais, non, on est un peu à court d'idées, hein. Bah, si on peut parler des lapins à Pâques. Ah, ah. Ouais, ouais, bah, c'est vrai. Bon, c'est après, c'est pas le lapin, grand message de Pâques, hein. Pour Paris et ma ville, c'est quoi Pâques? Ah, mais Bézoé, t'as une bonne idée. Ouais, c'est vrai, c'est quoi Pâques pour toi, Marine? Bah, et toi, c'est quoi, Melvin? Bon, on en parle, vous en parle. Merci, Zoé. Yes! Zoé, elle a raison. On va vous dire avec Marine ce que ça veut dire Pâques pour nous, personnellement. Parce que c'est une histoire extraordinaire. Jésus qui revient à la vie, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, cette histoire? Alors, eh ben, c'est parti. On vous raconte ce que ça veut dire pour nous. Vous savez, les tribus, avec Melvin, on est comme vous. On a grandi à l'église. Papa et maman venaient, donc on allait avec eux. On allait à l'école de dimanche, ça s'appelait comme ça à l'époque. On avait des histoires, on avait les copains, les copines. Bon, j'avoue qu'à certains moments, avec Melvin, on est pareil, on n'avait pas forcément envie de se lever le matin. C'est normal. On aimait venir avec Melvin, mais ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là parce qu'en fait, on n'avait pas fait de choix. Moi, j'aimais entendre les histoires, et Marine, c'était pareil. La Bible, je savais que c'était vrai, je savais que Dieu existait, que Jésus existait, mais j'avais pas vraiment fait de choix. Comment moi, Melvin, je me positionnais par rapport à cette histoire de Jésus qui était venu, qui était mort et qui était revenu à la vie. C'était quoi notre choix avec Marine? Moi, mon choix, je l'ai fait durant un week-end de Pâques. Donc, on était entre gars, entre filles. Et une personne, un adulte, parlait de Jésus et il nous a dit: maintenant, il faut que vous fassiez un choix. Soit vous venez à l'église pour, voilà, pour accompagner maman et papa, suivre les copains, les copines, soit vous faites le choix de suivre Jésus. Et là, j'ai vraiment ressenti dans mon cœur comme un appel, comme si Jésus me disait: Marine, oublie pas que je suis mort pour toi et qu'à Pâques, je suis ressuscité pour toi. Et à ce moment-là, je me suis levée de ma chaise, je suis allée sur le devant et c'est un acte de foi que j'ai fait pour montrer devant tout le monde que oui, j'ai fait le choix de choisir et de suivre Jésus. Moi, mon choix, c'était moi toute seule dans ma chambre. J'avais entendu des choses à l'église et on parlait de Jésus, mais j'avais tellement envie de le vivre. Et je me suis rendu compte de dire: Melvin, c'est soit toute ta vie, tu as envie de la passer avec Jésus, soit tu continues un petit peu à avoir un pied dans l'église comme ça, où tu viens le dimanche et la semaine, tu fais un peu ta vie. Et non, j'avais envie de plus, j'avais envie de croire que je pouvais vivre des choses avec Jésus. Alors j'ai fait le choix de suivre Jésus parce que je savais qu'à Pâques, il était revenu à la vie pour me dire: Melvin, maintenant je vais au ciel, mais je vais revenir. Et quand je vais revenir, je vais ramener avec moi tous ceux et toutes celles qui auront choisi la vie, choisi de me suivre. Ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui avec Melvin, c'est: choisis la vie, choisis Jésus. Parce que si tu fais pas ce choix, Pâques, ça reste qu'une histoire. Double défi famille! Avec Melvin, on vous propose de vous réunir en famille avec des bons petits chocolats de Pâques. Et là, vous allez parler, exactement comme on a fait avec Melvin, du choix. Et là, vous allez discuter ensemble, moment de vérité, qui a fait le choix de suivre Jésus. Et si le choix n'a pas encore été fait, priez ensemble et choisissez de suivre Jésus. Deuxième défi. En famille, vous prenez des chocolats et vous allez voir vos voisins, vos voisines. Vous faites un petit emballage sympa et vous allez leur offrir tout simplement en leur disant: on aime les chocolats, Pâques, c'est le moment d'en manger, mais on aime aussi Jésus et on voulait juste vous les donner et vous dire ça.
Faut pas faire plus compliqué, mais au moins, vos voisins, ils sauront que pour vous, Pâques, maintenant, ça a une signification particulière. On vous souhaite une joyeuse Pâques, une bonne dégustation de chocolat, et choisis la vie, choisis Jésus. Bon, bon, bon.